Salut tout le monde! On espère que vous allez bien, en tout cas nous ça va. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui surtout il y a les dédicaces les gars. Exactement, donc c'est parti. Ouais. On sait que vous kiffez trop les dédicaces donc on en voilà, on en fait souvent 6 bah, tous les lundis. Ouais, donc si vous voulez une dédicace comme d'habitude, en commentaire, nom plus... Prénom. Prénom plus un petit truc personnalisé. Hein, par exemple Marina de Paris. Non, c'est nul ça. Genre par exemple Marina, et si votre, votre couleur préférée c'est bleu, vous dites Marina bleu, comme ça vous reconnaissez, vous voyez. Parce qu'il y a plein de Marina. Ouais, bah, comme vous voulez en fait, ce que vous voulez. Bref, bah, là aujourd'hui elles ont pas mis. Ok. Les filles. Bon. Bon bah c'est parti. Et petite dédicace à Cyrine, à Marwa et Leïla, à Wadia, à Orchidée et à Joyce. On vous aime fort les filles. Merci de nous suivre et gros bisous à vous. Bon, qu'est-ce qu'elle veut? Anastasia, elle a fait que de m'appeler. Je vais l'appeler. Ouais. Tu vas bien? Ça va, j'ai vu que tu m'avais appelé au moins 3-4 fois. Ouais. Ouais, bah écoute, là je suis à la maison. Avec Juju, oui. Ouais, ouais, ça va, elle va bien et toi? Tu vas bien? Ça va, Franck aussi? Ok, ça marche. Donc, dis-moi. Ok. D'accord. Bah franchement j'aurais kiffé hein. J'aurais kiffé venir avec, avec toi un week-end comme ça toutes les deux dans le sud au soleil et tout, ça aurait été incroyable mais je peux pas, j'ai Juju. Bah oui, personne, j'ai personne pour la garder, ma mère elle est pas là, mon père c'est pareil et puis son père à lui c'est un énorme donc voilà. Arrête, tu me donnes trop envie. Non, c'est pas possible. Ouais, c'est vrai que j'ai besoin de soleil, oui, c'est vrai. Effectivement. Bah écoute, en plus je suis un petit peu malade, donc c'est vrai qu'un peu de soleil, ça me ferait pas de mal. Ouais. Bah écoute, je vais essayer de trouver une solution avec Juju, je vais voir et... T'as déjà les billets et tout? Ah ouais, c'est vraiment... Ah, tu m'offres ce week-end? Non, c'est pas possible. Mais t'es trop mignonne. Oh non, c'est trop gentil. Non, je peux pas accepter, c'est trop... Ouais, c'est vrai. C'est trop gentil. Et les billets, c'est pour quand? Ce soir? Ah oui! Et on reviendrait après-demain. Ok. Ça marche. Donc pour 2 jours, quoi. Donc aujourd'hui, demain et on rentre après-demain. Ok. D'accord. Bah écoute, je t'enverrai un message pour te dire si c'est ok ou pas, ok? Ça marche. Allez, bisous à toutes. Ouais, t'inquiète, je me dépêche. Salut. Oh. J'ai trop envie d'y aller. Juju! Je déteste quand je l'appelle Juju. Donc elle veut pas. Jane? Oui? Voilà. Bah oui. Allez, viens! Maman, elle veut te parler. Quoi? Allez, viens. Quoi? Bon. On joue? Non, on joue pas là. C'est grande. Ouais. Tu peux t'occuper j'ai de toi toute seule. 8 ans et demi. Ouais. Ouais. Donc tu peux t'occuper un peu de toi toute seule. Bah oui. Oui, ça va. Bah ouais. Si je te laisse à manger. Ouais. Tu peux rester toute seule à la maison. Ouais. Tu peux dormir toute seule ou pas? Pourquoi? C'est pas, je dors pas toute seule. Ah, tu veux pas dormir toute seule? Non. Je vais être toute seule dans la maison. J'ai pas 41 ans non plus. Hein. Non mais... Ça va, il y a plein de, t'as plein d'enfants qui sont à la maison. Ouais, je veux bien pour une heure, mais tu vas où? Non mais je voulais juste aller voir une copine qui mais a besoin d'aide. Pourquoi je viens pas? Parce qu'elle a besoin d'aide, tout ça,
J'ai pas envie de t'emmener pour que. Voilà, tu vois. Elle a besoin d'aide pour le déménagement. J'en ai pour 1 heure, hein. J'en ai pas pour longtemps. Ok. Donc tu restes là, je te laisse à manger. Et si tu vois que je rentre pas, c'est pas grave, tu t'installes dans le lit, tu dors, voilà, et tu m'attends. D'accord? Ok. De toute façon, je tarde pas. Ça te va pour toi? On fait comme ça? Et puis de toute façon, regarde, je te laisse mon deuxième téléphone. Comme ça, tu m'appelles s'il y a un problème. Ok? C'est quoi ton code? C'est celui-là, tu connais. C'est comme ça, tu connais. Ah oui. Donc voilà, tu m'appelles, ça t'as besoin, tout ça. Voilà, ok? Non. Allez, tu me fais un câlin? Parfait! Maman, elle va aller aider une copine, ok? Bon, allez. Coucou Anastasia. Pour ce soir. On va s'amuser. Comment ça? N'importe quoi. Je voulais dire, on Et t'as va. et tu m'as même t'as dit t'as pas dit que t'étais allée chez Anastasie d'amour. Bah oui, mais c'est elle qui a besoin Pourquoi tu de bégayes? déménager. Pourquoi tu bégayes? Je bégaye pas. Oui. Mais non, c'est parce que c'est elle qui a besoin. Et on va s'amuser parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu et puis peut-être qu'on va prendre un petit verre toutes les deux. De toute façon, même si je rentre un petit peu tard, toi, ça te dérange pas. Voilà. Bon. Je vais aller me préparer parce que je vais pas T'es sûre que tu tarder à y vas aller. pas faire Quoi? T'es sûre que tu vas là-bas? Bah oui. Tu veux que j'aille où? Ben, je sais pas, on va rester avec tes copines. Bah de toute façon, toi, ça te dérange pas. Bon. Allez, moi je vais aller faire mes affaires parce que je vais pas tarder à y aller. Pourquoi tu vas faire tes affaires? Je veux dire, je vais préparer un petit sac puisqu'elle a, elle m'a demandé des vêtements. Elle m'a dit, est-ce que tu peux me ramener 2-3 Elle fait quelle vêtements? taille? Elle fait comme moi. Du S. T'es bizarre, maman. Mais non, t'inquiète. Allez, hop. Je peux me dire. Qu'est-ce que tu fais sur la calculette, toi? T'as calculé parce que demain j'ai une évaluation sur les maths. Du coup, je m'entraîne. D'accord. 9. J'ai pris toutes mes affaires pour 2 jours. Dans le sud, il fait super beau, donc j'ai pas besoin de manteau. Je suis bien comme ça. Je suis bien, je me mets ça. Bisous, ma Jane, hein? Elle doit être concentrée sur le téléphone. C'est trop fin! C'est quand qu'elle vient là? Il est 21h. Allô? Ben, il est 21h, pourquoi t'es pas venu? Ça te dit que t'étais venu au moins 1 heure maximum ou 2 heures maximum, t'avais dit. Il est 21h, ça fait au moins 4 heures que tu m'as laissé. J'ai faim, moi! Tu rentres quand? Ok, mais moi j'ai faim, je fais quoi? Il y a des trucs dans le frigo. Dans le quoi? Ok, bah je vais y voir. Vas-y, à tout à l'heure. Bon, bah c'est pas cher, hein. Je dois pas manger. Il y a ça, mais ça, j'en ai pas.
Il a l'air pas bon. Oh, c'est horrible. I have pig. Oh. Mais vas-y, en plus, elle sait que je déteste le piment. Elle m'a mis quelque chose au piment. Vas-y. Bon, je vais manger un autre truc. Je mange pas gentil. Et bien, il y a rien de tout ça. Alors, il est minime. Qu'est-ce qu'elle fait? Je vais l'appeler. Pourquoi elle répond pas? Je vais rester. Maman, elle répond. Maman. Elle répond pas. Appelle papa, même si il est pas là. Oh, lui aussi, il répond pas. Mais lui, tout seul. C'est une mentée. Moi, j'ai trop. Maximum. Et quand je lui appelle, elle répond pas. Et j'ai très peur.
toute seule chez toi? Oui, je vis toute seule. Quel âge tu as? J'ai 8 ans et demi. D'accord. Tu habites où? Tu pourrais me dire ton adresse? J'habite au 36 rue de Paradis à Paris. D'accord. Est-ce que tu as des voisins? Oui, mais la porte elle est fermée. Je crois qu'ils sont pas là, les voisins. Les voisins, pardon. Ne bouge pas, on arrive. D'accord. Je vais rester dans le lit. Vous venez dans combien de temps? On arrive dans à peu près 10 minutes. D'accord, merci beaucoup. T'inquiète pas. Je sais pas quoi faire. Bonjour. Tu vas bien? Oui. Tu vas bien? Tu es, c'est toi? Comment tu t'appelles? Jane. Jane, assieds-toi. Je vais t'enregistrer, tu vas me raconter ce qui s'est passé en détail. Alors Jane, déjà, c'est quand la dernière fois que tu as vu ta maman? Cet après-midi. Elle est partie parce qu'elle devait faire des travaux avec une copine. Oui. Un déménagement. Elle t'a dit qu'elle reviendrait vers quelle heure? Elle m'a pas dit l'heure, elle m'a dit juste une ou deux heures maximum. Et c'était, elle est partie vers quelle heure? Elle est partie vers 16h? Oui. Donc ça voudrait dire qu'elle aurait dû arriver à 18h. Oui. Mais là il est 2h47 du matin. Est-ce que tu as essayé de la joindre? Oui. Par téléphone? Ou pas. Et par message? Oui. Et elle ne répondait pas, elle n'a vu aucun message. Et j'ai un père, mais il est divorcé avec ma mère, j'ai essayé de l'appeler, mais il répond pas. Non. Il habite pas vers ici? Non, il habite très loin. D'accord. Donc ce qu'on va faire, Jane, c'est qu'on va aller au commissariat. Tu vas rester avec nous jusqu'à qu'on retrouve ta maman et qu'on voit ce qui s'est passé. Mais je ne pense que ta maman n'a eu aucun souci, n'a eu aucun accident, car sinon elle serait déjà chez les pompiers. D'accord. Donc je pense qu'il y a eu un autre problème. Mais on va le régler. Tu as tes affaires? On peut y aller? Non, j'ai pas d'affaires, moi. Tu as pas un peu des chaussures et un manteau? Si. Alors va chercher. Merci Jane. Je peux prendre aussi ma tablette? Oui, tu peux. Merci. Ça va. Pas de soucis, je vous ramène la petite Jane. Prête. Ouais, ouais. Hein? C'est ma maman? Non. Non. D'accord. À tout de suite. À tout de suite. Ok, tu vas aller dans une voiture de police. Ouais. Allez, viens. On va mettre la sonnerie. Par contre, j'ai cassé ta porte, j'espère que vous ne m'en voulez pas. Non, tu l'as pas. Voilà. C'était les gosses. Par contre, il n'y a pas une clé quelque part qu'on puisse fermer? Non, elle l'a pris, ma mère. Bon, je laisse ouvert alors. Non. Bon, je me saoule. On y va. On ferme. Allô? Ça fait 10 minutes que je vous appelle. Bah non, j'ai pas reçu d'appel. Mais pas de l'un, de la porte d'entrée. J'essaie de pas crier là sur toi parce qu'il y a les voisins. Mais je te jure que s'il n'y avait pas les voisins, je t'en aurais mis une derrière le téléphone. Ah, t'as toqué? Oui, t'as toqué. Ben oui. Mais j'ai pas vu. J'ai pas entendu. Ouais, t'as pas entendu. Mais aussi, pourquoi tu viens maintenant? Tu préviens personne. Avec ta mamie. Ouais, bon, vas-y, j'arrive. Tiens, mamie, elle est arrivée. Oh my god! Mais qu'est-ce que il fait froid, vite rentre. Eh ben oui, hein. Il fait froid. Vite, hein. Moi, j'ai pensé à vous, je vous ramène des cadeaux. Pourquoi tu t'habilles comme ça? Oh oh oh, joyeux Noël, hein. Eh ben oui, hein. T'es malade. Oui, eh ben oui. Elle est très gentille. Eh ben oui, trop gentil. Oh my god. Vous me laissez dehors, j'ai froid maintenant. Vous n'avez pas entendu, c'est dans la chambre. Oui, c'est ça, oui. Oui. Vous n'avez pas entendu, je vais vous en mettre une, vous allez mieux entendre. Bien, Gamès. Qu'est-ce qu'elle raconte? Oh, 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 joyeux Noël, mes petits enfants. Eh, hey, j'ai ramené des cadeaux, ouais, comme toutes les années.
Bon, les autres années, j'ai un peu galéré financièrement, donc j'ai pas ramené. Mais cette année, j'ai gagné au loto. Ah ouais? Oui, j'ai gagné au loto. Alors, je vous ai acheté des cadeaux. Ok. Tu me regardes moi ou tu regardes le sapin? Pardon. Ouais. Tu t'assois à côté de moi là, la mamie. T'as vu, il est BG le sapin. T'as Il est vu, quoi? il est BG le sapin. Il est quoi? Il est BG. Il est quoi? Mais. Il est grand? Il est BG, il est beau gosse. Hein? Il est beau le sapin. Ah oui, ça va. Il est beau. Non, moi je le trouve super beau. Il est pas super beau. Le mien, il est mieux chez moi. Non, mais mamie, ton sapin il fait cette taille. Arrête de mentir, sinon je te donne pas des cadeaux. Bon, vas-y. J'ai gagné au loto, je vous ai Oui, offert des beaux cadeaux, hein, je vous le dis. Vas-y, vas-y. Non, tu arrêtes. Tu vas nous ramener en vacances alors, j'espère. Eh bien, peut-être. Bah. En Bretagne. Chez la mère de ma mère. Bah non, je pense qu'elle est Si. décédée. Oui, elle est morte maintenant, mais il y a sa maison, il y a sa Bon, cabane. allez, on peut? Oui, Sa bon. cabane. Elle ressemble à ça. C'est pour qui le premier? Alors, ça, on le laisse ici. Bon, qui veut ouvrir en première? Oui, bon, allez. Vas-y, pas moi. Si, vas-y. Non, vas-y, pas moi. Bon! Je sais pas! Qui ouvre en première? Elle. Toi? D'accord. Allez, tu vas être contente, je pense. C'est un très beau En cadeau. plus, ça fait le petit toc qui Eh ben oui, hein, j'ai pas fait les choses à moitié, hein, je peux te le dire. Oui. Ah ouais. Voilà, une brosse. Ah, déménage une brosse. Non, c'est vrai, c'est bien. Tu vois? Non, c'est vrai. Parce Ah, que c'est à très chaque bien. fois, tu nous saoules avec tes gros cheveux de Démêle Gargamès. efficacement et de manière ultra douce les cheveux grâce à ses différentes hauteurs de picot. Cette brosse s'utilise aussi bien sur les cheveux secs ou mouillés. Ça Oui, tu me fais mal à la tête, là. Hein. Oui, ben j'adore. Bravo, Bon, ouais, très bien. merci beaucoup. De rien. À moi. De rien. Allez. À moi. Voilà, à toi. Ça, pour toi d'abord. Tu vas être contente. C'est un tableau? Non. Oh. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait un beau cadeau, tiens. Waouh. C'est un coloré dessus. Comment? J'ai pas colorié dessus. C'est le dessin. Oui, très bien. T'as vu? T'aimes bien, hein? En plus, j'aime bien les animaux. Voilà. Tu vas le lire, hein. Merci. Oui. Voilà. T'as pas l'air très contente, hein? Si, je suis hyper Ben, c'est bien. Waouh, je suis bouche bée. À toi, Eva. Tiens. Oh. Un petit cette fois. Oh là là. Ils m'ont coûté cher ce cadeau, hein. Je vous le dis, j'ai gagné au loto, j'ai gagné 1 million d'euros. Karma. Oui. J'ai acheté un bracelet Karma pour toi. Comme ça, quand les enfants ils t'embêtent à l'école, tu leur montres ton bracelet, tu leur dis, regardez, le karma va vous toucher, le karma. Ouais, c'est D'accord? vrai. Super joli, merci Marie. De rien. À toi. T'es sûre que t'as gagné au loto? Allez, un petit cadeau pour toi cette fois-ci. Tu fais attention, c'est fragile. Hein. Je t'ai dit que tu faisais attention. Oh là là. Ah oui, ça Ah t'es oui, content. là, ah oui. Oh là là, neuf surprises. Comme ça, tu sais, c'est un cadeau et à l'intérieur, t'as un autre cadeau encore, tu vois. Je peux l'ouvrir, le cadeau? Oui. Vas-y. Allez, à moi. Attends, ta sœur, toi, t'es trop pressée, hein. Je vais t'en mettre une. Tu te calmes. Oh, Bravo. okay. Bravo. T'as réussi à l'ouvrir, bravo. Une papine nous a pas fait le cadeau? C'est vrai, ça? Et papy, il a pas gagné au loto, papy. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? T'es contente? Pourquoi? Ah, c'est un bracelet. Oui, très bien. Allez, tu vas le mettre sur ton front, le bracelet. Il est trop beau. Ça va pas tenir. Vraiment. Ça tient pas? Tu mets sur ta tête comme ça. J'ai mis de l'autre côté. Mais vous avez vu mon beau sac? J'ai investi là-dedans. Hein. Oui. Il est super beau le sac. Ah. Bon, allez, à Eva. Allez, tiens, Eva. Merci. Celui-ci pour toi. Non. Je touche pas. C'est quoi? Allez, dépêche-toi. Ouvre!
Oh, elle met trop de temps, je vais en mettre une. Kiko! Crème hydratante protectrice pour les mains. Parce que t'as les mains vraiment super nulles. Voilà, voilà. Mais je pensais pas que t'allais ouvrir ça. Le but d'un cadeau, c'est de l'utiliser. Bah, c'est une body, c'est une lotion, pour le corps. C'est pour un air, c'est pour les enfants. C'est pour se laver le corps. Eh ben, tu te laveras avec, t'es pas contente. Ça sent super bon. Voilà, tu te laveras avec. Tu voulais ça? Non. Oui, ben ça, je l'ai pris pour moi. Parce que j'ai besoin de m'hydrater les mains. Voilà, j'ai des mains de vieille maman. Ouais. T'es jeune. Les donne. Allez, tu ouvres ça toi. C'est parti? Non. Ah. Tu penses qu'à la bouffe? Oui. Allez plus vite. Voilà. Oh waouh! La petite girafe. C'est comme super. Le livre. Il y a une girafe aussi. Je fais comme ça. Mais tu fais ça? Des fois tu te filmes en train de faire la danse là sur Tokitik. Et ben tu peux faire ça sur Tokitik. Oui voilà. Des mains. C'est pour les bébés ça, non? Ah non. Tu crois qu'un bébé il va faire quoi avec ça? Il va faire des Tokitik? Bah non, déjà c'est TikTok. Bref. Alors. C'est le dernier. Celui-là c'est pour Eva. C'est le dernier. Ah non, c'est pas le dernier. Ah ouais non c'est... Tu arrêtes! Je vais t'en mettre une. Waouh! Voilà, moi j'aurais trop aimé qu'on m'offre ça, tu vois. Tu sais ce que c'est? C'est un truc chauffant que tu vas le mettre comme ça, en guise d'écharpe. Hop, comme ça, ça va te chauffer la nuque, les épaules et le coccyx. Le truc ici, le toxis, le thorax, j'en sais rien c'est quoi. Bon, tu vas contente? T'as pas l'air contente. Trop gentil mamie. Je vais t'en mettre une. T'as pas l'air contente. Mais si. Bah vas-y, utilise. Oui, mais là il est froid. Oui, et ben tu fais comme s'il était chaud. Non, là ça va me faire mal à la nuque. Ah oui, c'est vrai, le froid ça fait... Oui, c'est vrai. Bon. D'accord. Allez, le gros cadeau pour Diana. Celui-là, ça va te plaire. Oh là là. Allez, ouvre, ça va te plaire. Oh, beau. C'est quoi? Arrête. Quoi? Un régal. Non, bah, oui. T'as rigolé? Non, ça, c'est trop beau. Waouh. Quelles sont là? Les couleurs sont là. Orange et jaune. Et jaune. Et vert et orange et jaune. Merci. Regarde ce qu'elle fait, le cadeau. Oh, t'es pas contente? Après avec, d'accord. Tu joues pas maintenant? Non, j'ai pas envie. Pourquoi? Parce que... T'es pas contente? T'es pas contente? Si. Trop contente. Voilà, souris. Ah ouais. Elle est contente, tout, c'est contente. Ouais. Allez, dernier cadeau pour Eva. Ah non, il y a un dernier pour Diana, hein, qui est dans la voiture. Hein. T'as une voiture, toi. Eh oui, j'ai gagné au loto, je t'ai dit. Je me suis acheté une Lamborghini. Regardez, il y a des confettis. Tu arrêtes de gaspiller ça. Je vais les utiliser pour l'année prochaine. Des confettis. Tu arrêtes, je t'ai dit. Ah, elle est dégueulasse. Des confettis. Ah ouais, oui. Eh bien, calme-toi. Tu sais, tu l'as emballé comme si... Mais oui, eh bien... Wow. C'est un cadeau. Waouh. Vraiment une jolie couleur de vernis. Ça, je te fais un massage. Allez, vas-y. Un petit massage. Et qu'est-ce que tu fais? Il n'y a plus rien dedans. C'est vrai? Et bête celle-là, t'es bête comme ta mère. Arrête de parler de ma mère. C'est ma fille d'abord. Je fais ce que je veux avec elle. Avant d'être ta mère, c'était ma fille. Tu crois que tu fais mal à qui? À toi. Non. Si, je t'ai fait mal. Non. Arrête. Elle est où ta mère d'ailleurs? Enfin, ma fille, elle est où ma fille? On est parti acheter les cadeaux de Noël. Elle a acheté quoi? Je sais pas, des trucs bien. Comme moi?
Bah, t'as mieux que moi. Hein. C'est pas bien de faire ça. Toi aussi, t'es bête. Hein. Oh là là, votre mère vous a mal éduqué. Oh là là. Waouh, il est super beau. Non, pas sûrement. Tu l'as acheté pour quoi en fait? Pour le nouvel an, parce qu'on va faire le nouvel an ensemble. Tu te rappelles pas? Avec toi? Toute la famille. Avec toi? Oui, avec moi. Ouais. Pourquoi ça te dérange? Trop bien. T'as vu? Moi aussi, c'est ce que je me suis dit. Trop bien. L'année dernière, t'étais pas là. Non. T'étais où? J'étais en train de faire la mala avec ton grand-père. Mais qui? La mala. Ça veut dire quoi? T'as pas appris ça? Non. Ah ouais. C'est un langage de jeune. La mala. Oui. Tu faisais l'argent? Ben, on s'amusait, on dépensait beaucoup d'argent et aux Maldives. Pourquoi tu mens? Oui, bon, j'ai le droit de rêver, hein, comme tout le monde, hein. Allez, dernier cadeau, tu vas aller te le chercher toute seule. C'est un énorme cadeau pour Diane. Elle va être contente, ah, Diane. Elle est gâtée, hein. Allez, j'arrive. Allez. Ouf, j'ai mal au dos, quand même. Hein. Arrête! Non, mais arrête! Mais dis que c'est bien. Là, ce qu'elle m'a ramené, c'est nul, mais dis que c'est bien. Ouais. D'accord? Mais elle est contente. Ouais. Oh, oh, oh. C'est encore la maman Noël. Hey, wow. Une voiture pour Diana. Voilà. C'est beau. Merci. Je l'ai payé super cher, j'ai laissé le prix. Hein. Oui, merci. 43 euros. Oui. On peut le montrer à tout le monde que je l'ai payé super cher. Yes. Et on peut le montrer à tout le monde quand même. Voilà. Super cher, je l'ai payé. Oui, merci. De rien. Alors, normalement, ça s'allume. Tu sais comment ça marche? Ouais. Tu le mets par terre, tu t'assois dessus et tu pars. Tu fais le tour de la ville. Le tour de la campagne. Mais s'il te plaît, maman, papa, ça, c'est pour des bébés, regarde, elle n'a même pas 3 ans, ma fille. Tu arrêtes d'être méchante. Arrête. La ville avec ça, tout le monde s'est mis, il faut se moquer de moi. Mais non, personne ne va se moquer de toi, tout le monde va te dire, oh, ils vont être jaloux. Tu sais, quand les gens se moquent, c'est parce qu'ils sont jaloux. Mais je te jure, je rigolais pas par rapport. T'as rigolé? Mais non. Bon, Eva. Je vais pas rigoler pour un beau cadeau. Eh ben oui. C'est ce qu'on dit. Vous m'avez même pas dit merci. Merci, mamie. Dégagez de là. Eh, toi, tu t'as pas le cadeau, toi. Mais toi, tu l'as tapé. Oui, moi, j'ai le droit. C'est moi qui l'ai acheté. Hop, vous me faites un câlin. Doucement. Merci, mamie. Merci, mamie. Doucement, tu me fais mal. Allez, à moi. À toi. Fais-moi merci, un câlin. Merci, mamie. Non, ça veut dire quoi? Merci. Voilà. On est trop contents. De rien, mes petites filles. Vous savez que je vous aime. Tu veux quoi comme cadeau? Tu veux ça? Ben oui, si tu veux. Eh ben, allez. Allez. Et toi, tu veux ça? Ben, si tu veux, moi, je veux si c'est un cadeau. Bah, tu voulais pas faire tes ongles? Ah si, bah. Une voiture. Oh bah tiens. Petite déco de la maison. Pour la déco, oui. Et tu la mets pas un nouvel animal de compagnie? Oh. D'ailleurs, c'est une petite tortue. Bah, tes cheveux, mamie. Ah oui, pour démêler mes. Ah oui. Ah oui. Ah bah. Okay. Mamie. Oui. Mamie. Oui. Tu voulais pas une histoire pour t'endormir? Oh si. Mais mamie, c'est la girafe qui avait un une lotion pour le corps et sentir la pêche. Oh, comme ça, papy va aimer. Mais oui. Okay. Et le dernier, pour dire aux gens, le karma. Ouais. Le karma. Mais tous les cadeaux que t'as eu à Noël. Ça, c'est périmé, je le garde. Ah, c'est périmé. Ah ben merci, mais, ma petite fille, de penser à regarde moi. Regarde tous les cadeaux que t'as pour Noël. Oui, c'est vraiment gentil, hein, les filles. Oh. Bon, allez, je vous laisse. Je vais aller profiter de mes cadeaux. Allez, oups, mon sac. Allez. Vous êtes adorables. Hein. Moi, j'ai dit à Marie-Christine, j'ai dit, mes petites filles, c'est les plus adorables du monde. Tiens, n'oublie pas ça. Et ça, je le garde. Comme ça, je vais montrer à Marie-Christine. Tu diras à Marie-Christine pour allez, je m'en vais. Merci, les filles. Hein. Je vous aime. Vous êtes vraiment... Ça t'inquiète, je vais le garder comme ça. Hop. Oh là là, mamie. Va lui ouvrir la porte, Diana. Va lui ouvrir la porte. Oh, ça, tu l'as oublié. Tu voulais. Oh, tu voulais me le voler. Non, ok. Non, là-dedans. Va lui ouvrir la porte, Diana. Allez. Merci, mes petites filles. Va lui ouvrir la porte, mon chat. Vous êtes adorables. Allez, je vous fais un bisou. On va tout ranger, t'inquiète pas. Vous êtes adorables. Il faut tourner la clé. Ouvre la porte. Il faut tourner la clé. Il n'y a pas de tourner la clé. Allez, merci Diana, t'es adorable. En plus, ouais.
Elle m'a protégée du chocolat périmé. Fais attention au Covid, même. Et allez, portez un masque. Ouais. Ah oui, gros bisous au nouvel an. Oui, merci. On est trop forte. Check. Par contre, si elle apprend que c'est tous ses cadeaux, elle va nous tuer. Vraiment. Mais elle a la vieille merde. Mais non. C'est toi qui a sali ça, là? De quoi? La table. Si, c'est toi qui l'as sali. Mais c'est de ton côté. Non. Ça? Oui. Mais ça va, voyons. Ah, donc c'est bien toi. Bon, écoute-moi. Je commence à en avoir marre. Mais je vais nettoyer. Non, je t'ai adoptée quand tu avais 6 mois. Maintenant, je regrette. Je te le dis. Je regrette de t'avoir adopté. Bah ouais. Qui veut d'une fille comme ça? Qui salit tout? Je viens de nettoyer. Moi, je vais nettoyer, moi. Tu veux quoi? Nettoyer. Eh ben vas-y. C'est... Ben bah oui, tu nettoies en mettant tout par terre. Merci d'avoir nettoyé. Hein. Rien. Bon, je te le dis. Là, il y a ma copine qui va arriver. Ah bah tiens, en parlant du loup. Du loup ? Tu ne fais aucun bruit. Tu te tais. Si je te vois faire un seul geste, tu vas voir. Hello ma belle! Ça va? Comment tu vas? Oh, tu m'as manqué! Merci. Mais t'es belle! Non, t'as ramené des petits cadeaux! Oui. Tu peux t'asseoir? Ça va? Bah écoute, tranquille! Hein. Alors le travail? Bah écoute, pour l'instant je suis en vacances, hein. Je garde la petite puce! T'as des petits cadeaux? C'est trop gentil! Hop! C'est bon, je fais du courant. Merci. Voilà. Merci. J'espère que ça va vous plaire. Oui. J'espère que ça va vous plaire. Oui. Alors, bon, sinon, tu as bien Noël, le sapin. Et oui, hein, j'ai mis. Vous faites quoi pour Noël? De quoi? T'as dit quoi? Quoi pour Noël? Pour Noël, bah écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Elle est un petit peu malade en ce moment. Pour Noël, bah écoute, on va faire ça en famille. Hein. Il y a les grands-parents qui vont venir. Chez vous? Ah oui. On va ici. Et toi? Non, moi je fais pas cette année. Ah ouais? Ouais, non, je suis pas dans le mood. Sérieux? Ouais, non. Vraiment? Ouais, non, on fait le nouvel an. Ah, ok. C'est le nouvel an. Oui, bah. Non, parce que t'as dit, nous, on fête nouvel an. Oui, le nouvel an. Le nouvel an. Ah. Et l'apostrophe. Ah oui. T'as fait des études? Tu es saute dans. Ouais. Deux chats à souris. Oui. Pourquoi? Bah, t'as fait quoi? J'ai fait études de commerce. Et toi? Donc là, tu travailles dans quoi? Là, je suis commerciale actuellement. Tu es commerciale. Mmh. Peut-être commerçante. Non, non, commerciale, ça existe. Tu es commerciale. Oui, je me déplace dans le monde entier. C'est comme ça que j'ai trouvé la petite puce et que je l'ai adoptée. Mais du coup, c'est quoi ton taf? Bah, c'est de vendre des objets aux gens. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Et toi, tu veux faire quoi plus tard? Tu sais pas parler? Avant de continuer cette conversation, très intéressante. Tu veux un truc à boire, à manger Je veux bien un jus de pomme. Un jus de pomme? Ouais. Ok, ça marche. C'est tout. Okay. Merci. Tu veux pas un truc, toi? Bon, je vais prendre les cadeaux. Tu les laisses pas ouvrir? De quoi? Tu les laisses pas ouvrir? Non, on verra tout à l'heure. Merci. Parce que sinon, elle va être trop excitée.
m'offrir le cadeau. Pourquoi elle te laisse pas le bruit? T'es jolie. Le Père Noël. Il va te ramener plein de cadeaux. Oh non. Oh, elle m'a dit que t'allais fêter Noël. Mais pourquoi elle a dit que vous fêtiez Noël? Non, pour faire bonne impression. Mais au moins vous avez fait un sapin. Mais elle m'a pas laissé l'été. Je voulais l'aider. Peut-être que c'est vraiment les fatiguer le travail. Bah alors, vous discutez? Ouais. Ah bah super. Hop. Tiens, je t'ai ramené quelques fruits. Merci, c'est gentil. Et tiens, le jus de pomme. Merci. C'est le jus de pomme du McDo. Parce que j'avais plus de jus de pomme en bouteille. Donc voilà. Ah oui. Attends, j'ai un petit cadeau pour toi. Oh merci. J'ai quelque chose. Gina, elle fait le nouvel an avec toi. Tiens. C'est gentil. Ah, c'est pour Noré. Oui. Ah, merci. Un pour toi, un pour Noré. Ah, merci. Du coup, elle fête Noël avec vous? De quoi? De ta fille. Oui. Oui. Bah oui, tu veux. Tu as acheté quoi? Bah, je peux pas le dire. Enfin, je peux pas te le dire. Elle a plein de cadeaux d'ailleurs. Ah, ouais, elle a été gâtée hein, cette année. Ouais. Mais t'es quoi? Arrête de mentir, tu m'as rien acheté. Est-ce que t'es au courant, toi? Pas le dernier, tu m'as rien acheté. Oui, bon, Jenna, on en a discuté. Tu me fais tousser. Je vais mourir à cause de toi. On en a déjà discuté. L'année dernière, j'avais des problèmes financiers. Pourquoi tu t'es acheté une voiture? De quoi? Une nouvelle voiture. Mais si c'est... Non, c'est pas moi. Si. Non. Si tu t'es acheté. Non. Je t'ai vu. Non. Je t'ai vu. C'est pas moi. Et ton père, il dit rien? N'importe quoi. Non, mais n'écoute pas celle-là. N'importe quoi. Vraiment, tu vas être puni. Si tu continues, tu vas être puni. Tu sais ce que c'est être puni? Bah oui, je sais très bien. Voilà. Oh. Peut-être que t'as n'importe quoi. Abusé. Allez. Tu arrêtes. Aide-moi. Tu arrêtes. Hey, la papa. Mais je suis désolée. J'aime bien que tu sois ma copine. D'accord? Non, mais au bout d'un moment, stop. Tu te tais? Stop. Bon, écoutez. Je pense qu'il s'est un peu trop là. Non, mais je veux bien que tu sois avocate dans la vraie vie. Il n'y a pas de souci. Si tu es avocate, tu te prends pour une avocate en tout cas. Je ne suis pas avocate. Si. Oh. Je pense que... Gênant. C'est vrai que si tu lui as fait ça, c'est pas gentil. Mais je ne lui ai jamais fait ça, mais arrête ça va. Arrête de mentir. Bon, toi, tu arrêtes. Mais arrête de faire ça. C'est vrai tout ce que tu as dit ou pas? Ben non. Oui. Bon, toi, tu peux la laisser parler aussi. Non, mais moi aussi, j'ai le droit de parler. Moi, je sais pas pour qui tu te prends. Tu te prends pour le juge du diable. Oui, parce qu'elle, c'est une voleuse. Elle me vole de l'argent. Je t'ai surveillée. Ah ouais? Quoi? Oui. Elle t'a volé combien? Comment tu as acheté ton pull, là? Bah, c'est papa qui me l'a acheté avant de partir de cette maison. Jean, il est où? Mais Jean, il est au travail, là. Jean, il est parti parce qu'il en a... Il en a... T'arrêtes que toi, tu me fais ça. Et pourquoi Jean, il t'a pas pris? Parce qu'il voulait pas le finir. N'importe quoi, Jean il va revenir, c'est mon chéri en ce moment. Il te déteste. N'importe quoi. Il te déteste. Non. Il a dit que tu ressemblais à un serpent. Non. Il a dit qu'il allait m'acheter un sac en serpent. C'est pas la même chose. Je crois que ça fait 2-3 mois que je passe et qu'il n'y a pas la voiture d'aujourd'hui. Oui, parce qu'il est en déplacement. Et alors? Pendant 3 mois. Et parce alors qu'il déménage. N'importe quoi. Toi, tu dis vraiment n'importe quoi. Alors là, on sait pas d'où tu inventes ça, ma chérie, mais t'as un bon anime imaginaire. Hein. Imaginaire? Ouais. Imaginaire? Ouais. Non. Tu devrais faire productrice. Comme et ça, t'as montré des films de fou. Tellement tu imagines fort. Mais toi aussi, toi, tu travailles dans un cinéma. Ha. N'importe quoi. Bon, je vais manger pour oublier non, ce que vous avez dit. Non, tu manges pas ça de moi, s'il te plaît. Tu remets ça à ma place. Et alors, c'est pas parce que tu es allergique à ça que je ne peux pas en manger. Je vais te frotter sur le visage. Même. Ah ouais? Ouais. Mais moi, je vais t'arracher la langue. C'est bon, vous dites n'importe quoi. Moi, je vais très bien. Hein. Excuse-toi et fais quelque chose. Quoi? Mais t'es malade ou quoi, Steph? Je peux plus. Tu m'en supportes. Ah. Je peux pas. Je peux pas. T'es allergique? Bon, j'en peux plus. Déjà, mes cadeaux, tu vas me les redonner.
je te redonne les tiens parce qu'ils sont empoisonnés là. Donc t'arrives à m'acheter des cadeaux, mais par contre pour acheter des cadeaux à ta gosse, tu n'y arrives pas. Mais elle en a des cadeaux. Ah ouais, vas-y, dis-nous un cadeau que tu lui as acheté là. Allez, 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 allez. Bouge tes oreilles alors. Allez, bouge tes oreilles. Mais est-ce qu'elle va aimer? Oui. Pourquoi tu l'as adopté? Mais parce que sur un coup de tête, moi je pensais que c'était comme un chien quand t'adoptes un chien. T'es folle. Mais je savais pas qu'il fallait s'occuper d'elle. J'en peux plus, moi. Je suis fatiguée, hein. Elle m'insupporte. Ah voilà. Donc tout ce qu'elle dit que c'est vrai. Non. C'est de la vérité. Moi aussi c'est vrai ce que je dis. La vérité? Oui. Maintenant, laissez-moi tranquille, je vais faire une sieste. J'espère que tu meurs dans ton sommeil. Tu vois, c'est pas gentil de dire ça. Ah bah, est-ce que c'est gentil de dire ce que tu dis à une enfant de 6 ans? Mais je ne lui ai rien dit! Je m'en fous de quel âge t'as. Tu peux pas aller un pas avec elle? C'est pas un chien. Avec grand plaisir. Mais pourquoi? Genre quand je vais en vacances, je dois la garder. Alors qu'un chien, quand tu vas en vacances, tu peux la laisser. C'est un non. Tu peux la laisser chez quelqu'un. Ta mère, elle faisait quoi avec toi? Mais j'en sais rien, je m'en rappelle plus. Je me souviens pas qu'elle me ramenait en vacances. J'ai aucun souvenir. Tu vois pas tous les enfants qui vont en vacances avec leurs parents? Non. Dans la rue, quand tu vas en vacances, tu ne les vois pas. Je ne vois pas les enfants, ils sont trop petits pour mes yeux. Ils sont là, moi je suis là. Tu fais 1m51. Et alors? Moi je ne vois pas les enfants. Bon, arrête, on peut... C'est des nains. Par contre, toi, t'es une garce. T'es méchant. Non. C'est tout ce que t'es. Non. Ouais, bah c'est toi. Non. Dans le dictionnaire, si tu regardes, garce égale Jenna, voilà. Eh oui. Jenna, je sais pourquoi tu lui as donné ce prénom. Parce que je pensais que c'était un chien, moi. Au début, elle s'appelait Jenny. Non. Elle a voulu s'appeler Jenna après. Non. Si, c'est vrai. C'est ça, je pense que c'est vrai. Parce que Jenny, elle disait que ça faisait trop un chien parce que je l'appelais Niniche. Mais... C'est pas un chien. Moi, je pensais qu'un bébé, ça se nourrissait de croquettes. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté toute la pâtée du rayon chien et chat que j'ai donné. Mais tu mangeais pas des croquettes? Si, j'en mangeais, c'était des petites comme ça, j'en mangeais comme des céréales. Tu l'as maltraitée? Non. Bah du tout. Regarde, elle est là. On va aller porter. Bien manger la pâtée. On va aller porter plein. T'as mangé du pâté. Tout ce que tu viens de dire était enregistré sur mon téléphone. Mais oui, bien sûr. Oui. Sincèrement. Je pars. Eh bien, allez-y. Voilà. Toi. Allez! Tu sais avec moi. Fais gaffe à toi. Alors là, je ne vais plus jamais te revoir. Je vais t'étouffer. Allez, c'est bon, enfant tranquille. Hop. Je vais à ma petite série, moi. Enfant sans gosse. Je demandais que ça. Être sans gosse. Je savais pas que c'était pas comme les chiens, moi. La même chose que tu m'as fait. Alors. Mais tu veux qu'on tombe? Youh! I am the marionnette! Mais je vais ramasser le rond. Aïe! Alors, hein? T'as envie de chialer là, hein? Hein? Calme-toi quand même. Aïe! C'est bizarre à faire ça. C'est bizarre. On dirait elle pétrit la pâte. On dirait elle fait une pâte à pizza. Tu crois ça y est, c'est bon? Débile, va. Arrêtez. Toi, t'arrêtes. T'arrêtes, parce que tu vois, je vais te casser le pied.